Ne vous y méprenez surtout pas. Ce n'est ni un pique-nique, ni une fête des enfants. Ce n'est non plus ni une école maternelle, ni un orphelinat. Nous sommes ici chez le colonel civil Davy. Le colonel Davy est un homme exceptionnel. Il bat tous les records. J'ai 21 femmes, 55 enfants. Je suis un roi. Si tu veux, tu peux marier la femme jusqu'à 80. C'est pourquoi moi, j'ai choisi 21 d'abord. Mais je n'ai pas encore fini. Chez moi, il n'y a pas la jalousie entre les femmes. Donc, tous les jours, il y a la nourriture, il y a les moyens, il y a tout. Et ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils préparent ensemble. Il n'y a pas le bagage, il n'y a pas le jaloux chez moi. Moi, j'ai peur. Nous serons 21 à partager un seul homme. C'est-à-dire que ce sera une programmation où chacun attend son tour. Non, moi, personnellement, je ne serai pas d'accord d'attendre mon tour. Vous voyez, entre la première jusqu'à la 21e, comment il va faire son programme pour avoir des rapports sexuels? Vous savez que moi, je dis les choses de façon claire. Parce que les rapports sexuels font partie des obligations du ménage. Si le ménage doit marcher, s'il n'y a pas de rapport sexuel, il y a frustration. Il y a frustration, il y aura jalousie. Il n'y a pas du tout de jalousie entre nous. On est habitué à attendre patiemment jusqu'au jour où le mari nous sollicite dans sa chambre. Un ménage de deux femmes, trois femmes, pourquoi pas? Mais qu'on ait jusqu'à 21 femmes et que ses épouses adhèrent à la chose, ça parle un peu de masochisme. Chez certains polygames, les femmes entrent à tour de rôle dans la chambre du mari, rigoureusement. C'est le système de cahier de roulement. Mais le colonel Davy a instauré chez lui un genre de démocratie librement consentie. Tantôt, ce sont les femmes qui désignent au hasard une reine pour Sa Majesté. Tantôt, c'est le Seigneur lui-même. Chez moi ici, on n'est pas fixé un jour pour prendre contact avec une femme. Bon, même eux-mêmes, les femmes aussi choisies, et tu dis, bon, toi là, il faut aller voir mon mari, aujourd'hui c'est moi, et l'autre a dit, mais moi je prends, et même à ça, c'est laver, mais passer trois femmes par jour, et je dors avec eux. Je peux dire, allez se laver, quatre femmes, on va causer dans la journée. Les enfants mangent trois fois par jour. Mais c'est une maman qui va préparer dans une semaine, lui passe et l'autre prend ça. Une enfant ne doit pas que son maman n'est pas là. Même ce bébé qui est ici, si maman quitte, le bébé n'est pas à réclamer que son maman est quittée à son côté. Puisque si a besoin du lait, voilà le lait ici. Si l'autre a besoin, voilà le lait ici. Donc il y a tout dans ma maison. Entre mes enfants, il n'y a pas de bagarre. Aucun problème, aucune souci dans ma maison. Je suis bien là où je suis heureux. Tous ces enfants que vous voyez ici, je les considère comme mes propres enfants. Certains ont leur maman en voyage ou au marché. Je suis actuellement leur maman de semaine. Et c'est un plaisir pour moi de préparer pour eux. Nous sommes 21 femmes ici. Notre mari nous traite équitablement et nous vivons en parfaite harmonie. Sincèrement, je suis à l'aise. Et je suis heureuse avec mes quatre enfants, au milieu de tous les enfants et au milieu de toutes mes copines. On ne parlerait pas, soyons sérieux.